Bonjour, Pato. Tiens, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, les enfants, si vous savez ce que c'est, dites-le à Pato. C'est un œuf, Pato. C'est un gros œuf. Oui, c'est exact. Bien sûr, c'est un œuf. Intéressant. Oh, bonjour, Pocoyo. Bonjour. Une balle. Attention! Non, 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 Pocoyo! Ellie et toi, vous vous trompez. Essaie de comprendre, ce n'est pas une balle. Ce que Pato essaie de vous expliquer, c'est que c'est un œuf. Et très bientôt, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'œuf va éclore. Maintenant, vous savez pourquoi Pato tient tellement à cet œuf. Oh, ça y est, c'est le moment. Regardez. Oui. C'est une araignée. Les poussins ne sont pas les seuls à sortir des œufs. La preuve. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées, même des bébés araignées. À cause de toi, bébé araignée, Pato a eu la peur de sa vie. Tu n'as pas de raison d'avoir peur de bébé araignée. J'ai l'impression qu'il t'aime beaucoup. Ah, voilà Ellie et Pocoyo. Coucou! Ah oui, je vois. J'imagine qu'ils ont trop peur de bébé araignée, et tant qu'il sera là, ils ne joueront pas avec toi. Bébé araignée, Papa Pato aimerait jouer à un petit jeu avec toi. Il veut que tu comptes tous les cailloux que tu pourras trouver. Et bien maintenant, je pense que tu peux aller jouer avec Ellie et Pocoyo. Oh, bébé araignée a trouvé un caillou. Papa Pato veut que tu continues à compter. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato ce que bébé araignée a envie de faire. Jouer à la balle, jouer. Oui, vous avez raison.
il a envie de jouer. Coucou bébé oiseau. Oh non. Pato veut que tu prennes le crayon et que tu ailles dessiner chez toi, bébé araignée. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, les enfants, dites-leur qui a fait ce joli dessin. Je suis sûr que vous le savez. C'est exact. Oh, qu'il est mignon. Vous voyez, je savais que vous alliez l'adorer. Il fallait juste apprendre à le connaître. Un grand bravo pour Pato, un autre pour notre nouvel ami. Au revoir, à bientôt.